Salut tout le monde, c'est Never et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour l'épisode 2 sur Grid Autosport. Donc, la dernière fois on avait commencé avec les monoplaces. Bondour, le squall, oui c'est moi le squall. D'accord. Donc oui, la dernière fois on avait fait... oui c'était Open Wheel, oui je crois que c'était ça. Là on va faire match un tourning. Donc là j'espère que vous entendez les voix du jeu quand même, parce que la dernière fois c'est un bug avec le 7 points de mon casque, je passe en stéréo après en 7 points, normalement là ça devrait marcher. Donc j'espère que vous entendez la voix. Donc dans les options là j'ai enlevé le contrôle de la stabilité, c'est déjà fait. Contrôle de traction aussi je l'ai enlevé. Par contre j'ai laissé la baisse, j'ai fait une course sans la baisse et c'est vraiment chaud. Faut vraiment bien doser le freinage. Et pour l'instant j'y arrive pas trop. Donc pour l'instant on va laisser comme c'est. Comme c'est comme ça, donc voilà. Donc juste voilà. Alors 5e, 6e. On va tester ça hein. Ok, Chevrolet Crouston, ouais. Là donc là c'est voiture de tourisme en fait. Je pense que c'est un peu comme le WTCC. C'est des courses mais avec des véhicules de tourisme en fait. Enfin les véhicules de tourisme, c'est véhicules de tous les jours en fait. Surtout ça, Turning Car. Donc voilà, Istanbul Park, le circuit d'Istanbul normalement c'est un... Ouais, c'est maintenant Formule 1, il y est plus celui-là par contre. Il y était avant mais plus maintenant. Donc voilà. D'accord. Pour l'instant j'ai laissé aussi en moyen, on verra dans les prochains épisodes pour l'instant. Waouh. Ça pousse, ça va parce qu'en plus la piste est large sur ce circuit donc ça va être chaud à part de passer parce qu'il y a pas de voiture. Jeter à l'intérieur. Voilà. J'espère ne toucher personne. Ouais donc ouais c'est pas du tout le même. Oula. Hop. Extérieur. On a rentré dedans, forêt. Essayez de prendre l'aspiration. Donc vous voyez la conduite est quand même totalement, je trouve, différente de Grid 2. Parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Grid 2 c'était plus des circuits dans les montagnes, toutes les choses comme ça. Avant dans Grid 2 vous mettiez quoi, vous arriviez à, dans un virage, vous mettiez un coup de frein, vous braquiez, accélérez, la voiture partait en drift, quelle que soit votre voiture. Donc là c'est pas pareil. C'est toujours type arcade la conduite, mais c'est quand même beaucoup plus tourné simulation, tout ce qui est niveau détail et tout. Mais c'est vrai que la conduite est vraiment très sympa pour l'instant, d'après ce que vous voyez là et d'après ce que j'ai moi aussi. Par contre, 3 tours, franchement je trouve ça un peu nul. Ah, faudrait qu'on change ça parce que 3 tours c'est vraiment rien du tout. Moi ça m'énerve en fait là, de voir qu'il n'y a que 3 tours. Peut-être c'est parce que c'est les circuits de début, je sais pas, enfin les courses de début. Donc là pour l'instant la voiture n'a pas l'air de glisser, je pense que c'est surtout aussi une traction avant, donc la voiture, c'est pour ça que ça glisse pas trop. Ah putain, bon, c'est un cheveu. En fait j'essaye de faire une course propre sans contact, mais je crois que c'est mort, parce qu'il y en a déjà un qui m'a rentré dedans. Putain, en plus il faut que je finisse 6ème. On va essayer de terminer premier. On va essayer, j'ai dit. Waouh, mais comment tu t'es rabattu sur moi, toi? T'es un PD. Oh, mais ils collent quand même, les enfoirés. Hein. Wesh, mais t'es sérieux? Merde.
cinquième. On va essayer de rattraper ce qu'il y a devant maintenant. Bon là ça va pas très très vite les voitures de tourisme. Hein. On va essayer. Hop. Essayer de faire la meilleure lumière, si c'était possible, même si là on est entré dans ce qu'il fallait faire. On devait faire un minimum 6ème pour avoir notre prime. Oula oula oula. Ok, 4ème. On va essayer d'en redépasser un quand même avant la fin, ça va être chaud. On va utiliser un flashback, je suis allé un peu vite, je crois que ça passerait à fond, mais apparemment non. Déjà que j'entre mal dans le virage en fait. Putain, fais chier. En fait c'est vraiment très compliqué à remonter, parce que vous avez vraiment beaucoup de voitures, même en moyen, ça fait que tout remonter c'est assez galère. Putain. Putain, j'aurais pas réussi à le dépasser, putain. Fais chier. J'aurais pu le dépasser, mais je suis réussi. Ouais, il est dernier, mais c'est quoi... C'est que c'est une merde, là. Putain, ils ont... Classement par équipe, ils sont... Ouais. Alors, attendez. Attendez, on va voir des... Ce véhicule ne peut pas être amélioré, d'accord. Préparation véhicule. Répartition du freinage, différentiel, appui aérodynamique. Ah ok, ça je savais pas par contre. Donc on verra ça au prochain épisode. Enfin pour les prochains épisodes pour l'instant je vais voir. Paramètres de difficulté. Ah, attendez. Non. Bon allez. Ah merde, c'est ça que je veux. Attendez. Non, y'a pas. Ouais, c'était la difficulté pour mettre plus de tours, mais je crois pas que ça le fera. En fait, j'ai pas bien regardé, je crois qu'il y avait, mais j'ai pas vu. Donc là, on va essayer de dépasser plus de voitures, finir mieux que 4ème. Oula, 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 oula. C'est que ça bouscule là. Ouais, ils sont sérieux. Des difficultés. Non, y a pas. Y a pas. Par contre, je vais mettre un flashback. Je peux... Ouais, je préfère mettre le flashback parce que franchement, elle allait rattraper là, ça aurait été chaud. Je pense qu'à partir d'un moment, les flashbacks, je les enlèverai carrément. Pour l'instant, c'est... Freine. Wow, wow. Ouais, sortie de virage, vas-y. Enfin, sortie de piste. Ouais, je me fais foutre, là. Il passe comme des bourrons, ici. Hein, coéquipier mène la course. Attends, j'arrive. Ouais, j'y vais un peu en mode bourrin, mais on s'en fout. Wesh, mais ils ferment trop la porte en fait, ces enfoirés. Je
Wesh, la voiture elle est à fond, elle en peut plus là. J'arrive en... Oh, il est là. Voilà, on a tout remonté comme un bourrin, on s'en fout. Le plus important c'est d'être remonté. Voilà. Donc on est premier. Merde. Allez. Ils sont là, c'est beau. Ça. Ouais, ils sont loin. Attaquer. Oh putain. Oh, mais je fais trop le con là. La voiture elle accroche plus ou quoi? Je vais certainement passer moins vite sur toutes les voitures tout à l'heure. Je passais certainement moins vite. Sortie de piste arrêtée, mes 4 roues sont pas sorties putain. Ok, passe à la ligne blanche les 4 roues, je veux bien, mais pas abuser non plus quand même. Là je dis d'attaque. On est un peu trop tard. Donc là je veux bien que j'ai coupé. Hop. Je suis un peu comme une merde là. Ils me lâchent pas, ils suivent quand même hein. Troisième tour. Voilà. Les deux épreuves gagnées. Quatrième et premier. Je sais pas, j'ai fait au classement final juste pilote. On va terminer combien? Troisième. Ok. D'accord. Ouais, 30 km dans une épreuve de course. Ouais, donc là c'est les niveaux pour le turning. Ah putain, il y a encore des épreuves. Ah, fait chier. C'est Pang. Ok, ah oui, il y avait beaucoup moins de. Ouais, moins de virage. Ouh là là. Alors attendez. Cela, faut vraiment que je trouve la difficulté. Il n'y a pas la difficulté, bordel. Ah, paramètres des difficultés. Putain, il met toujours pas. Attends, moi j'aurais bien voulu mettre plus de tours par contre. Durée de... Ah, durée de course. x2. Voilà. Ça fera peut-être une vidéo plus longue, mais moi je trouve que plus de tours c'est mieux. Ok.
On fait déjà 15 minutes. Oula! Mais c'est des chiens ceux-là! Voilà, j'ai mis en mode attaque le coéquipier. Donc là, c'est le même. C'est le même circuit qu'on a fait. C'était Sepang. En plus, c'est exactement la même version, tout découpé et tout. Parce qu'un abonné me l'avait dit, oui, c'était bien Sepang. Du coup, j'avais pas vraiment fait. Ah oui, il pousse, hein. Hop, 10e place. Voilà ce qui est simple, normal. Dès qu'il y a un freinage, vous pouvez les passer direct. Vu que généralement on freine plus tard que l'IA. Mais je pense difficile, ça serait bien. Avec ce nombre de circuits, ça serait bien. En normal, je sais pas. Je pense que je vais rester, à partir du moment, je vais rester assez longtemps devant. C'est pour ça en fait. Ah, j'aurais pas essayé de passer. Oh. Je suis passé à la bourrin, là j'ai coupé le chemin de tout le monde. Moi, si je parle plus trop, hein, j'essaie de me concentrer pour pouvoir le dépasser. Putain! Ouais, je me rapproche là. Oh, on a touché personne, c'est très bien. Là. Ouais, donc là, on va dire, heureusement qu'on a plusieurs tours, hein, parce qu'on aurait terminé quatrième comme tout à l'heure. Par contre, là, il me boulette sévèrement. Et 13e, donc équipier. Vraiment une merde. Par l'extérieur, ça passera pas. Toujours essayer de dépasser par l'extérieur, c'est pas toujours l'intérieur, l'IA. On peut essayer de dépasser par l'intérieur aussi, mais c'est quand même plus compliqué s'ils prennent une trajectoire déjà à peu près prédéfinie généralement. Ah, celle-là. Ah putain. Ça passe vraiment. Eh, mais ils sont coriaces ces cons. Vraiment, là franchement ils sont coriaces, je sais pas si tout à l'heure j'ai fumé d'une façon. Non, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que la difficulté a été accrue d'un coup, c'est faut vraiment les dépasser à la bourrin en fait. On va y aller en mode YOLO pour vraiment on essaie de faire régulière là, c'est alors on l'a fait à la régulière, c'est juste on a trouvé la faille on va dire. Pourquoi tu me colles au train, ça m'énerve. Ah
Ah oh, putain, non, non, non. Quel con. Putain, je fais une conne. Ouais, cinquième. Putain, non. M'en bats les couilles. Voilà, YOLO. Comment on fait déjà pour changer la vue? Ok. Hop. Il est très très tard. Nous avons réussi à rattraper le premier. Bon, on y allait à la bourre, hein, c'est vrai. Pour dépasser l'autre, mais bon. Normalement, ce qu'il y a de plus grave. J'ai trop freiné là. Grassement des pneus, là. Ils ont fumé les pneus là. Ouais. On fait ses traces. Donc voilà, nous avons réussi à dépasser le premier. Maintenant, il s'agirait juste de rester. Ah, putain, le mec il attaque quoi, et il est encore moins bon l'équipier. Je ne comprends pas. Un petit large là. On va dire que la course est définie déjà. Voilà. Ah, BMW, ça part de l'arrière. Hein. Le mec, il est dernier, quoi, putain. Le mec, il était premier, hein, je vous rappelle. Il était premier. Donc là, je pense que la vidéo durera un peu plus de 30 minutes. Hein. Mais je pense qu'à chaque fois, on va faire ça. Je pense que le prochain épisode sera plus long si je laisse les courses en x3. Je pense que ça tapera plus les 45 minutes. Donc voilà. Donc là, nous sommes le 8 juillet. Je crois qu'on est mardi. On est mardi. Je sais pas si c'est le 8. Mais... soit la vidéo sera uploadée le 8 si j'ai fait le rendu et tout ça, puisque le rendu sera quand même long. Mais je pense que ce sera certainement upload mercredi 9. Attendez, je regarde tout de suite. Oui, nous sommes mardi 8, donc elle sera, je pense, upload le 9. C'est certainement ce... le rendu. Pas vraiment le montage, ça prend du temps, c'est plus le rendu qui prend du temps sur ce genre de vidéo. Il n'y a pas vraiment de montage à faire. Donc voilà. Là, il y a encore une course. Il y a déjà 8 minutes. Presque 9 minutes. Ouais, 9 minutes. Premier. 1 minute 49. Ah, niveau temps autour, c'est serré quand même. Je suis pas réellement plus rapide que ça. 2 dixièmes. Non, pas 2 dixièmes, 2 centièmes. Des différences, même pas. Incroyable. Là on a une avance quand même confortable, non. On est toujours troisième au championnat d'équipe. Hop. Ouais, quand même, avec le contrôle de. Sans contrôle de traction, la voiture est quand même beaucoup plus nerveuse au. Au démarrage, ça se voit. L'autre, je sais pas, il est premier ou deuxième. Merde. J'ai regardé le truc en bas et... ouais. Conserve ta position. Mais... en fait, je pense que si on lui dit de faire les bonnes choses au bon moment,
Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien, on va voir pendant cette course. Bon, pour l'instant c'est le premier tour, il descend pas, mais bon, on va essayer de voir ça. Wesh, mais ils font quoi là, ils avancent pas? Oh, enfin il m'a poussé. Défends ta position mec. Il ralentit tout le monde. Fulbert. Non, il va s'agir de dépasser les deux autres devant. Enfoiré. Bon, ça va, je pas. Là. Là, je suis déjà beaucoup plus rapide que toi dans le virage. Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a ralenti comme un trou du cul celui-là. Notre coéquipier est 7ème. Je n'ai rien dit. Il est toujours aussi nul. Quel con. Quel con, quel con, quel con. Donc ça va, moi, faut juste que j'ai... Faut que j'essaie de me mettre une marge au cas où s'il y a une erreur. Apparemment ils sont là. Ouais, j'ai rien dit. Encore une fois. Si je fais des trucs comme ça, ça va pas m'aider non plus. On a déjà fait 500 km avec cette voiture, putain. Enfin, je sais pas s'il y a dégradation des pneus, ce serait quelque chose de bien qu'il y ait, parce que vu qu'ils sont dans, plus dans le style un peu course sur circuit et tout, ça serait vraiment bien qu'ils soient. Je sais pas vraiment s'il y a, ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc là, je commence à m'éloigner. Je sais pas si j'ai pas regardé les temps, si je m'éloigne plus que ça ou pas. Oh oh, quel con. Putain. 2 secondes, ok. Apparemment ça bouge dans le classement. Bon, le mec est 13ème. Hein.
Il a fait premier et il est reparti 13ème. Vraiment nul le mec. Ah, les mecs ils s'approchent derrière. Hein. Sauf qu'il y a 2 secondes. Là si je fais de la merde. Toujours un endroit je vais aussi à faire de la merde, mais c'est un truc de fou. J'espère que vous entendez bien le jeu assez fort, vous l'entendez, et que aussi ma voix est assez forte. Normalement là ça devrait être un réglage vraiment très bien. Très bon plutôt. Ouais. Très bon réglage, voilà. Ya ya ya. J'ai 30 minutes. Oh là là. Aussi dites-moi si vous voulez tout simplement des vidéos sur deux jeux de course tout simplement. Comme jeu de course j'ai quoi? J'ai du Need for Speed Shift. J'ai du Pro Street, il y a du Grid 2, normalement il y a vidéo Grid 2 détente qui va arriver avec toute la team. Bah avec ouais toute la team avec putain je commence à parler, je fais de la merde. Avec Avo, Axe, Artrek. Est-ce qu'il va... C'est là, on en a fait une il y a pas longtemps je crois, et peut-être un peu plus d'une semaine je crois, je sais plus. Mais je sais que vous aimez bien les vidéos de voitures, donc je le ferai aussi pour F1 2014. Quand il sortira, je pense qu'il va sortir d'ici septembre, octobre. Il y aura aussi une carrière dessus. Ouais, il y aura une carrière. J'aimerais bien me procurer un volant, le problème c'est que c'est quand même assez cher, peut-être au moins un Driving Force GT, mais je sais pas. Si j'arrive vraiment à avoir un G27... franchement, ce serait vraiment bien. Après, je sais pas si vraiment il y en a adapté pour Formula One. Enfin, pour Formula One, c'est plus Formula One maintenant, c'est Formula tout court. Donc voilà. Donc, dernier tour. On va essayer de pas faire de merde cette fois. Là, je freine trop tard à chaque fois. En plus, je freine pendant que je tourne, donc c'est vraiment pas bon. Terminer cette course sans faire d'erreur. Tout à l'heure, pas vraiment ce que je fais. Ouais, il y a plein de traces de pneus là, c'est un truc de ouf. Tout à l'heure, je passe comme un gros bourrin, c'est plein de traces. J'ai vraiment pas de virage par contre, c'est vraiment moisi du cul. Et bon, il est bien pour dépasser donc. Voilà, donc c'est la fin de la course. Donc les gens, si vous avez aimé, likez la vidéo, commentez pour dire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Si j'ai été nul ou ce qu'il faudra améliorer, peut-être. Dites-moi si vous préférez que je mette en difficile pour qu'il y ait plus de challenges, des choses comme ça. Passez sur ma page Facebook, même si je suis plus très actif, je poste que les vidéos maintenant dessus. Je tiens juste au courant des vidéos. Sur Twitter, je mets plein de trucs, je mets quand... Quand sur les 4 Dead, on fait des choses, des trucs comme ça. Je mets plein de trucs sur Twitter. Je suis vachement actif sur Twitter quand même. Donc si vous voulez faire un tour, allez-y. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine donc pour une autre vidéo. Donc soit sur du grid, soit Sniper Elite, soit sur du grid 2. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.